Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de la Guinée-Conakry où le retour de Selloum d'Alain Diallo n'est pas encore confirmé. Ce dernier avait dit qu'il sera en Guinée pour la fête du Congrès. Mais on se pose la question à savoir s'il doit réellement rentrer en Guinée, car comme vous le saviez, il y a une plainte contre lui en République de Guinée. Une fois qu'il sera arrivé, son arrestation sera imminente. Comme cela ne suffisait pas, Ousmane Gawal Diallo est en train de mettre les moyens en œuvre pour prendre la présidence du FDG, parti dirigé par Selloum d'Alain Diallo. Ainsi a fait le constat de son absence et a donné plusieurs raisons concernant le limogeage de Selloum d'Alain de l'UFDG. 900 militants ont été pour le départ de Selloum d'Alain Diallo de l'UFDG. On se pose la question à savoir ce qui se prépare réellement. Alors la réponse est très simple. Ousmane Gawal Diallo doit prendre la tête du parti de Selloum d'Alain Diallo et ce dernier n'aura plus la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle car comme vous le saviez, sans ces militants, Selloum d'Alain Diallo ne pourrait ou bien ne saura se présenter aux élections présidentielles. Ce qui laisse la voie libre au général Mamadou Doumbouya ou à toute personne choisie par ce dernier. Ousmane Gawal Diallo réussira-t-il son coup? Alors, la réponse est bel et bien oui. C'est pourtant triste, mais vrai. Si Selloum d'Alain Diallo reste hors du pays, Ousmane Gawal Diallo prendra facilement son parti. Et si ce dernier revient en Guinée, il sera arrêté et emprisonné. Là, Ousmane Gawal Diallo prendra son parti. Selloum d'Alain Diallo doit réellement avoir beaucoup de réflexions car l'heure n'est plus au jeu et il n'a plus beaucoup de cartes à jouer. Eh bien, les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.